C'est parti, donc ouais, c'est un France en 5 minutes. Alors, c'est parti. Là, il y avait un petit panneau. Ah, là, il y a un numéro de téléphone, 101. Donc déjà, ça tombe bien. On est en région parisienne. J'avais vu un panneau bleu, mais je sais pas où il est passé. Ah, c'était juste café-bar. Stationnement unilatéral permanent. On n'a pas beaucoup. Ça, par contre, je vais le noter. C'est la rue dans laquelle on est. Rue Harry Scheffer. Et ça, on voit pas, bien sûr. Est-ce qu'il y a une ville quelque part? Non, bien sûr. Numéro 39. Ça me parle pas. Ville d'Argenteuil. Argenteuil, c'est où déjà? Argenteuil, pour moi c'était par là. Quand je dis nul en géo, hein. Montreuil, c'était par là. J'étais pas nous. Ah voilà, là il y a Beson. Peut-être que je trouverai plus Beson. Pas du tout. Ah. J'ai envie de mettre ça là, moi, pourtant. À 86, ah bah, ça sera peut-être plus facile à trouver. 86, c'est là. Mais ça fait le tour, évidemment. Petite colombe, c'est bien par là, non? Une colombe, à mon sud. Argenteuil, putain, je suis aveugle. Ok, Ok, donc je suis à Argenteuil, c'est ça? J'ai dit. Je suis dans quelle rue là? Rue Thomas, je sais pas quoi. Thomas qui fait nord-sud quasiment. Ce serait pas ça? Jean Allemagne, non. Ce serait ça. Mais non, mais c'est une petite rue. Dufort. Putain, je suis quelque part à Argenteuil, mais là. Oh, putain, j'ai plus de temps déjà! Merde! C'est quoi ça comme rue? Saint-Gratien. Putain, merde. D15E, putain, mais je suis con, j'aurais dû regarder ça en fait. J'ai trouvé la ville, mais bon, putain, je suis parti à carrière là. Non, je sais pas où je suis. Oh là là. Ah bah ça commence bien, dis donc. J'ai plus de temps de toute façon.
Ok. Ah putain, il est là, la T15E. Bah, dommage. En fait, j'étais là, non? Maurice Bidule, ouais, c'était ça, je crois. Quoique. Bon, bah, bref. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Bon, 4943 points. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, bon coin paumé déjà. Je dirais. Il y a des panneaux, non. Il n'y a pas de panneau par là. C'est quoi ce petit panneau là? Le nid de chien. Nid de chien. C'est un lieu dit, je suppose. Je crois que c'était pas marqué en noir, donc bon. Pas de panneau, non. Alors. Voilà, pourquoi ça me fait un truc bizarre. Saint-Lambert. Saint-Lambert, c'est de l'eau, ça? Saint-Lambert, Coville, sur la D133. Un autre panneau, si. Ah, Caen. Caen qui est au nord, à 30 km, sur la D562. Il y a Thury-Harcourt aussi, dans 5 km. Caumont-sur-Orne dans 1. Ok, donc D133, c'est celle-là. 133 que je lis, ouais, 133, donc non, c'est pas là. Oui, non, mais c'est là, d'accord, oui. Donc on vient, oui, voilà, Nietzsche, hein, bah, c'est là. Retour au point de départ. On est juste avant un virage. On est carrément de l'autre côté du nid de chien. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait m'aider? Bof. Hein. Et on doit être genre par là en fait. Attends, on va retourner au point de départ. Si on doit être par là. Vrai. En vrai de vrai, il y a une truc au nord, donc on doit être là en fait. Si on regarde bien, il y a un virage là juste après. Avec. Non, pas de petite route. Un virage suivi d'un autre virage. Ouais. Et si on avance, il y a la petite rue du nid de chien là. Yes. Donc en fait, ouais, on est là. Guess. 5000. Ça, c'est bien. Suivant. Allée des pommiers. C'est dommage qu'on puisse pas lire ça. Je pense que ça doit être la ville. Allée des pommiers. Ok. Vers quel plan cul on va aller? Par là. Il y avait un panneau là. Ouais, non, c'est juste là. Ville de Carrières-sous-Poissy. Alors ça, je sais où c'est par contre. Carrières-sous-Poissy. Donc on est quelque part dans Carrières-sous-Poissy. On est à côté d'un petit parc avec de l'eau. Et on a une rue qui fait est-ouest. Non, ça me paraît trop gros, ça. Et sûrement pas sur l'avenue machin, là. Place Claude Monet. Ok. Est-ce que c'est ça? Non.
Est-ce que c'est ça? Allô, le nom de la rue? Non, bah d'accord. Est-ce que c'est ça? Rue Pasteur, rue Jean Moulin. Non, c'est juste marqué Place Claude Monet. Place Claude Monet. Voilà, et là il y a le nom de rue. Rue Paul Cézanne. Ok. Ça se trouve, il n'est pas marqué. Attends, c'est encore carrière là? Non, on est à Chanteloup là. Ah, attends. Non. Il y a un rond-point en fait, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, il y a un petit rond-point. Est-ce qu'il est marqué? C'est pas dit. Ok, bon, attends. On va aller. Ouais. C'est intéressant ça. Ouais. La route qui part au nord qui fait un petit truc là. Oh, c'est de la merde, pourquoi ça. Enfin, ça doit pas être marqué en fait. École du parc. Mine Pissarro. Bien, c'est que des noms de peintres. Oh, rue du parc. Je sais pas. Ok. Ah, voilà. Ça, c'est un grand axe, entre guillemets. Rue Alexis Quesnay, qui fait nord-sud. Nord-sud pile poil quasiment, mais. Ça là, non, avenue de l'Europe. Chemin de Pissefontaine. Boulevard Pelletier. André, avenue de Lotil. Mais c'est quoi ce délire? Attends, c'est pas genre là en fait. Là. Oula, attends. Faut être dans le coin quand même. J'ai dit quoi? Avenue de Lotil. Ah mais merde, c'est l'avenue de Lotil, putain je suis con. Donc on est entre avenue de Lotil et rue Alexis Quesnay. Ok. Si je me plante pas. On vient de par là, donc de l'ouest. Oui, donc si, ouais, on était bien là. Ça, ça doit être le petit rond-point que j'ai vu. Ouais, bah si, on doit être là. Hein. De base. Hi, Songbird. I'm playing a French map. So... Probably not the ideal. For you. Place Claude Monet. But I will do some world map. Rue de Claude Monet. C'était bien ça. Donc le rond-point qui était là, il n'était pas marqué. The roundabout that was here is not on the map. So I thought it was this one. Next round. 02, donc on est quelque part par là. Ça, ça quoi? Ah! Ça veut venir. Ça veut venir.
Savonnières. La Partal Rose Verest. Direction. La belle toiture. Qu'est-ce qu'il raconte? Rien. Peut-être que il y a des directions intéressantes marquées Valère 37, je connais pas. Chier. Ah. Ville entrée des 7 décembre. Val-de-Loire, ça doit être quelque part par là. Ah non, attends, non, là, là. Attends, c'est quoi la Loire? Seine, Yonne. C'est par là la Loire? Ah si, alors pourquoi 02? Attends. Ouais, donc on doit être plus par là, je dirais. Ah non, 02, mais je suis con quoi. 02 c'est par là. On va dire qu'on est pas loin de Tours. Qu'est-ce qui était on a. Allez, je sais pas à quelle distance. Druille. Druille. Ah bah non, attends. Mont, c'est où Mont? Est-ce que je vois un truc qui s'appellerait Mont? Et bof, hein. Ah mais je peux plus bouger. Allô? Le jeu. Bon, on va aller par là. Reste que 2 minutes déjà, putain. Où t'es dans quelle ville? Villandry, ouais. Bah. Ok. Ah, peut-être que j'ai plus d'infos. Oula, doucement. Merde. C'est dans le Cher. Loire et Cher. Peut-être dans le Loir-et-Cher. Bon, le Cher, c'est où? Cher Loiret, Loire-et-Loire, l'Indre, Indre-et-Loire. Comment si on va être par là en fait? A 85, sortie 8. 85, que je vois des sorties. Ça, c'est la sortie 12, 13, donc c'est de l'autre côté. Sortie 11, 10, 9, 8, on doit être par là. 9, par là. Sortie 8, j'ai dit quoi? D7. On est sur la D7 avec la D121 Villandry. On doit être sur cette route là. Putain, on est où? Il y avait une espèce de place. T'es là? T'es là? Ah, dommage. Ouf. Non, c'était pas si loin, je me suis... j'ai clutch à la fin quand même, hein, parce que bon... T'es un peu perdu quand même. Ah, le Cher, d'accord, c'est ce petit truc là qui se barre en couille après. Ok.
Ça c'est quoi? La Vienne. Ok, bon, bah ok, je saurais que le Cher, ça passe à Tours. Ok, ok. Next round. Ça a l'air bien paumé, ça. Alors, est-ce qu'on va avoir des panneaux? Pas du tout. Alors, ah, une école Montessori, trop bien. Ferme de Pont-Aven. Ah, oh, ça me dit quelque chose. Pont-Aven. 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 Oh putain, c'est en Bretagne, mais. Mais à. Monterland. Sur la D129. Montoiselle. Okay, on va essayer de voir par là dans la ville si on voit quelque chose. Genre des panneaux. Rue de l'église. Pont-Aven. Pont-Aven. Ça me dit vraiment quelque chose en plus, Pont-Aven. Ah 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 ah, qu'est-ce que c'est que ça? La vallée commune. Ah, Pouilly! Ah, ça me dit quelque chose, Pouilly. Oh putain, ça me dit vraiment quelque chose en plus. Pouilly, Pouilly. Putain, j'ai déjà eu un point à Pouilly. Oh, ça doit être par là en plus. J'ai dit Pont-Aven. Oh merde. Alors c'est vers Vitré. Oh, je suis quasiment sûr d'avoir été déjà dans ce point. Enfin un point dans le coin. Ah, il y a des panneaux. Monterland, Saint-Crépin, Val d'Empierre. Pouilly, mais oui, mais Pouilly, ça me dit vraiment quelque chose en plus. Val d'Empierre, le Ménil. Oh. Vers Alençon, je sais pas. Mais ouais, ça m'arrange pas trop. On va essayer d'aller de l'autre côté parce que. J'étais parti par où? J'aime plus. Ah, d'accord, oui, bah d'accord, un beau cul-de-sac. Je peux aller par là. Là, c'est littéralement entre deux champs. Ce serait pas mal si ça rejoignait une route quelque part, parce que là. J'ai l'impression que c'est un gros plan cul ce que je suis en train de faire. Y a pas un numéro de téléphone? Non. Oui, bah oui, là je suis en train d'aller entre des champs. Quel enfer. Ok, bah, je suis en train de retourner dans la ville de tout à l'heure. Nice. Éliation, Monterrand, Miru. Oh là là, en plus, je suis quasiment sûr. J'ai déjà eu un point à Pouilly, quoi. J'ai pas du tout retenu où c'était. J'ai un numéro de téléphone là? 03. Oui, donc pas du tout. J'ai déjà vu ça en plus, oui. Beauvais, bah si, Beauvais, tiens. Attends. Beauvais, c'est là. On doit être dans le coin. Ouais, ça devait être quand j'étais tombé justement à Beauvais, sur un point. Gisors. Bon alors après c'est peut-être un piège hein, quand même, mais...
aussi Amiens. On va se mettre à Beauvais quand même. Ah putain, j'ai plus de temps. Ah oui, bon bah. Rip. Hein. Oh, bah ça va en vrai. Et oui, Pouilly, c'est là. Pouilly, Pouilly. Mais ouais, j'étais déjà allé ici en fait. Entre Gisors et Beauvais, ouais. Donc j'étais genre là, par là. Ouais. J'ai déjà été dans ce coin-là. Bon, bah, 4423. Bah, j'avais pas énormément d'indices, en vrai. Hein. C'était que des petites villes. Pas terrible, quoi. Et donc, c'est 24 355 points. C'est pas trop mal. Vraiment. Bon, alors, peut mieux faire sur celui-là, mais en vrai... En vrai, ça va, c'est pas mal. Et donc, ah ouais, bah, les autres ont fait beaucoup mieux. Hein. Enfin, beaucoup. On fait mieux. J'ai battu Digimon, au moins.